Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo d'explication. Je vais essayer de répondre à certaines questions que certaines personnes se posent. Comment choisir son ampoule ou quelle couleur je dois prendre pour mon ampoule? Enfin, je vais essayer de répondre à vos quelques questions et vous donner quelques notions de choix d'ampoule pour cette vidéo. Bon, allez, on va pas traîner et on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ceci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré comme ceci qui se trouve en bas, et d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets les prochaines vidéos. Puis allez, c'est parti, suivez-moi. Bon voilà, nous allons commencer. Donc dans la plupart du temps, on se demande toujours si on a acheté la bonne ampoule, si voilà. Donc pour commencer, ben déjà, il faut savoir quel est son culot. Bon, déjà, voici une ampoule de base. C'est tout con, c'est voilà. Ce qu'il faut savoir, le culot, c'est la partie en bas, ici, où nous avons la partie plus et la partie moins. Voilà. Ceci, c'est le culot. Donc, nous avons deux styles différents. Ceci, voilà. C'est ce qu'on appelle un culot E27. C'est le, on va dire, le traditionnel. Et nous avons sa petite sœur. Hop. Faut juste que je la sorte, voilà. Qui est ceci, voilà. Et ceci, nous l'appelons la E14. Ceci, ce sont les deux culots standards que nous utilisons le plus couramment, hein, voilà. Donc ceci, voilà, vous voyez bien la différence. Hein, celle-ci E27, celle-ci E14. Voilà. Donc ça, faut bien faire attention parce que si vous achetez celle-ci, bah ça rentrera pas dans la petite. Et inversement. Celle-ci vous arrivera à la rentrer, mais elle ne tiendra pas, elle ne s'allumera pas. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer en revue plusieurs types de luminaires, enfin plusieurs types d'ampoules, vous expliquer. Et après, on reviendra en même temps aussi sur le choix des couleurs et le choix de la puissance. Après, nous avons ce que nous appelons communément les ampoules halogènes, voilà. Donc, qui ressemblent à ceci, à peu près, voilà. Ce sont des ampoules halogènes que nous mettons la plupart du temps dans nos spots. Hein, voilà. Donc ceci, comme vous pouvez voir, vous voyez ici, nous avons deux petits pins. Hein. Je vais essayer de faire un zoom comme ça. Voilà. Donc ceci, c'est ce que nous appelons, si je ne me trompe pas, voilà, c'est le GU5,3. Demandez-moi pas pourquoi, je m'en souviens plus. C'est du 5,3. Nous avons la même chose, enfin, pas la même chose. Nous avons toujours notre ampoule halogène, bien que maintenant ça se fait de plus en plus souvent que c'est de la LED. Et nous avons ce que nous appelons les nouvelles qui sont en GU10, c'est celle-ci. Voilà. La grosse différence entre celle-ci, GU10, et la 5,3, celle-ci. Je vous explique. Celle-ci, la GU10, voilà, GU10. Vous n'avez pas besoin de transformateur derrière. Donc, c'est branché directement sur le petit culot qui va dessus avec les fils qui va directement sur le 230 volts, donc directement sur le courant. Celle-ci, en revanche, il vous faut un petit transformateur parce que celle-ci, c'est du 12 volts. Donc, si vous branchez directement sur le courant, ça va faire boum. Voilà. Votre ampoule va éclater, va brûler, poubelle. Et puis, vous pouvez aller remonter le disjoncteur ou changer le fusible. Donc voilà les deux différences, c'est les mêmes ampoules. Elles vont éclairer exactement la même chose, simplement une, c'est en 230 volts, directement sous le courant, et l'autre, c'est en 12 volts. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres modèles qui restent toujours dans de l'halogène, mais qui sont pour les petites lampes que nous avons la plupart du temps dans les salles de bain, dans notre petite pharmacie. C'est la GU... Pas la GU, la G4. Voici à quoi elle ressemble. Voilà. C'est petite G4, comme ceci. Voilà. Donc, quand vous voyez des petits pins métalliques comme ça, dites-vous que la plupart du temps, enfin, le 99,99% du temps, vous avez besoin d'un transformateur derrière qui transforme le courant de 230 volts en 12 volts. Donc, ceci, c'est du G4. Après, nous avons sa grande sœur,
je vais essayer de la sortir, qui est celle-ci. Voilà, je vais vous la montrer. Hop. Qui se met aussi comme pour sa petite sœur, mais celle-ci c'est du G9 aussi, et en plus celle-là, vous voyez, en plus celle-là c'est déjà de la LED, voilà, parce que moi j'en ai à la maison où c'est déjà de la LED. Donc dedans nous avons plus un filament tungstène, nous avons plus du gaz halogène dedans, c'est vraiment de la LED, c'est moulé, donc voilà, déjà un peu plus, c'est plus, un peu plus économique, voilà. Et nous venons à la dernière source lumineuse que je vais vous présenter, c'est ceci. Voilà, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, tout le monde appelle ça un tube néon. Et ben, c'est faux. Voilà, je vous explique. Un tube néon, le néon, c'est le gaz que vous avez à l'intérieur. Voilà, ceci, nous appelons ceci un tube lumineux. Bah oui, parce qu'il s'allume. Bah oui, il est lumineux. Pourquoi il est lumineux? Parce que le courant qui est dedans ionise le gaz qui interagit sur la poudre fluorescente de votre tube et ça l'éclaire. Donc voilà. Donc ceci, c'est un tube. Donc ces tubes lumineux, vous en avez deux styles. Ceci, c'est du 36 watts. Voilà. À peu près 1,20 m. Et vous avez l'autre qui est du 58 watts, qui fait 1,50 m. Vous en avez des plus petits, des 18 watts. Et aussi du 40 watts. Voilà, vous avez différents styles. Mais voilà, je voulais présenter ceci. On va parler maintenant un petit peu des puissances et des couleurs. Hein. Ceci, c'est du 38 watts. Je vais vous montrer quelque chose, parce que peut-être des fois, vous ne savez pas. Voilà. Vous voyez sur le tube ici, c'est marqué F36W/840. Qu'est-ce que c'est ce 840 hein? Eh bien, c'est le code couleur de votre néon. Je vous dis néon comme ça, vous savez ce que c'est, de votre tube lumineux. 840, à quoi ça correspond? 40, c'est pour la couleur, là. Vous avez aussi du 830, du 827. Donc, le 40 est équivalent à du 4000 Kelvin pour le 840, le 830 pour du 3000 Kelvin et du 827 pour 2700 Kelvin. Voilà. Alors, comment vous expliquer le code couleur? Le code couleur, c'est la chaleur que dégage, enfin, ce que vous voyez de la lampe, c'est en Kelvin. La chaleur, la source lumineuse en chaleur, c'est en Kelvin. Donc, nous avons différents types. Nous avons du 4000K, du 3000K, 2700K. Ce sont les couleurs de base que nous utilisons le plus souvent. Le 2700K correspond, à dire, ce qu'on appelle, pas du jaune, mais presque, c'est du blanc chaud. Voilà. Nous avons 3000 où c'est un petit peu plus froid, et nous avons à 4000 où c'est de la lumière qui est un petit peu, ouais, c'est du blanc, voilà, vulgairement c'est du blanc. Donc je vais prendre mon petit téléphone, voilà, et je vais vous montrer. Nous avons entre, voilà, 2700 et 3000 Kelvin, c'est ce qu'ils appellent, ce que nous appelons du blanc chaud. Nous avons entre 3000 et 5000 Kelvin, c'est du blanc neutre, c'est le blanc standard. Et vous avez le blanc, la lumière du jour, qui est à plus de 5000 Kelvin. Donc la lumière que vous voyez depuis dehors, c'est du 5000 Kelvin, ou après vous montez encore plus haut, jusqu'à 9000 Kelvin, et c'est ce qu'on appelle de la lumière bleue. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très... Ça fait mal en fait, ça fait mal aux yeux, c'est tout simple. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci, hein, je vous conseille, en tout cas pour ma part, là, la source lumineuse que j'ai au plafond, ici, on est à peu près à 3000 Kelvin. Je vais essayer, dans un petit instant, j'ai ceci, voilà. C'est une petite lampe LED où j'ai, je ne sais pas combien de possibilités de couleurs. Je vais essayer de vous montrer les différentes couleurs, plus ou moins, qu'on peut avoir en teinte pour le choix de la couleur. Mais avant ceci, il faut que je revienne sur mon petit téléphone. Voilà. Nous avons... j'essaie juste de regarder si je trouve les différents types de couleurs. Malheureusement, voilà. Nous avons du 2700K qui correspond à du blanc ultra chaud. Hein, c'est ce qui est marqué. Hein, qui est un peu couleur rouge-orangé. Voilà. Alors, c'est bien si vous voulez faire... une petite lumière
enfin, je vous conseille pas. C'est pas les meilleures couleurs qu'on peut avoir. Et surtout, ça fatigue les yeux. Voilà. Après, nous avons le 3000 Kelvin, comme je vous ai dit tout avant. C'est du blanc chaud. Ça donne une atmosphère chaleureuse. Donc, si vous voulez, pour salon, salle à manger, c'est la bonne couleur. Après, nous avons le 4000. C'est du cool, la, voilà, c'est marqué blanc naturel et brillant. C'est ce qu'on va dire la couleur de travail. Alors, si vous avez possibilité, on va dire, dans un garage, mettez du 4000 Kelvin. Ça, c'est plus simple. Salon, cuisine, tournez à peu près entre minimum 3000 Kelvin. Comme ça, c'est pas blanc, mais c'est pas jaune non plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer à quoi correspond les différentes couleurs. Comme ça, vous pourrez voir. Alors, je vais essayer d'allumer mon appareil, parce qu'évidemment, ça fonctionne par connexion, parce que c'est ce que j'utilise d'habitude pour éclairer mon setup. Tac. Ah, parfait, elle s'est allumée. Voilà. Vous voyez, là, ça éclaire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Ça. Alors, on va aller se mettre sur les codes couleurs. Enfin, je vais essayer de ne pas trop vous éclairer tout de suite. Alors, ceci, voilà, vous pouvez voir ici, je vais vous mettre là comme ça, vous verrez. Ceci, on est à peu près à 2700 Kelvin, voilà. C'est, vous voyez, c'est quand même assez jaune. Hein. Après, nous pouvons passer en stimulation. Voilà, vous avez quand même vu la différence de couleur. Là, je passe là. Et là, voilà. Et si je me mets comme ça, là, je suis à peu près à 4000 Kelvin. Et là, je change, je suis plutôt entre 2700 et 3000 Kelvin. Donc, on voit bien la différence. Après, je peux encore varier, voilà, ça c'est encore bon. Ça, c'est vraiment du jaune, on est encore plus bas, on est quasiment à du 2000. Et après, j'ai encore la partie concentration, voilà, et là je monte plus ou moins encore, je suis à quasiment à 5000 Kelvin, voilà. Donc là je suis quasiment à 5000 Kelvin, ensuite j'ai la stimulation, là vous voyez que c'est beaucoup plus bleu, donc je monte encore un petit peu, ou voire un petit peu moins, mais je suis plus entre 4500 Kelvin, et après nous arrivons ici, où on est entre 2700 et 3000 Kelvin, voilà. Donc voici les différences, hop, je repose ma petite lampe. C'est les différences de couleurs que vous pouvez avoir sur le panel, enfin, ce qui est le plus utilisé et qui est le plus standard, on va dire, voilà. Deux petites choses encore que j'ai oublié de vous dire, que je vais vous dire tout de suite, qui sont premièrement la variation de la lumière. Vous, la plupart du temps, dans votre salon ou dans votre chambre, vous avez sûrement un variateur à l'entrée pour pouvoir varier votre lumière. Faites attention maintenant que les ampoules LED ne sont pas toutes variables. Il faut bien faire attention que sur le paquet, ce soit marqué dimmer ou dimmable. Sinon, vous ne pourrez pas y faire varier. Seconde petite chose, c'est que si vous passez en LED, économiquement, vous y êtes gagnant. Le prorata entre une ampoule standard de 60 watts équivaut à peu près à une ampoule LED de entre 5 et 6 watts. Donc, vous gagnez à peu près 10 fois sa valeur en consommation électrique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce qu'elle touche à sa fin. J'espère que je vous ai appris 2-3 petites choses qui pourront vous aider dans vos choix de luminaires et de couleurs. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne et puis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.